Michel Gbagbo, candidat à l'élection municipale à Yopougon, a été présenté aux populations de la commune le samedi 22 juillet 2023. Cette cérémonie a été organisée par la Ligue des femmes de la coordination Abidjan-Banco, section 3 Rouge 1, dirigée par Lucie Bowie, en collaboration avec la direction locale de campagne conduite par Go Marcel. En présence de plusieurs cadres du parti, ce dernier a donné le ton de ce rassemblement. Double qualité de président du comité d'organisation et de directeur local des campagnes de 3 Rouge 1. Pour vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue et vous dire merci d'ores et déjà. Merci d'avoir répondu massivement à notre invitation malgré les intempéries. Ce qui démontre une fois encore votre attachement à notre parti, le PPACI, et surtout à son leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, des voix plus autorisées des femmes diront elles-mêmes le niveau d'engagement qu'elles prennent pour te hisser au firmament de la plus grande commune du Côte d'Ivoire, que Yopougon, par une victoire éclatante et sans bavure au soir du 10 septembre 2023. Comme le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Merci beaucoup les femmes pour cette mobilisation. Dans les remerciements pour cette mobilisation, je n'oublie pas les secrétaires généraux des comités de base qui, des jours comme des nuits, sous la pluie, comme au soleil, ils ont fait le porte-à-porte avec leur équipe pour sortir la population. Merci à Mme l'ingénieur de base. Merci beaucoup. Nous sommes venus t'écouter, camarade Michel Gbagbo, pour nous dérouler un pan de cet ambitieux programme pour le bonheur des populations de Yopougon. La parole est ensuite revenue au premier responsable de la fédération, Kwaku Kwadio-Bertin, président de la cérémonie. Il a salué la direction du parti et les femmes qui ont effectué massivement le déplacement, avec la direction des campagnes qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre à cette invitation. Quant au candidat, Michel Gbagbo, il a surtout exhorté les femmes à se mobiliser dans l'union et la discipline pour la victoire du PPACI au soir du 2 septembre prochain. Il n'y a pas d'élection qui est réussie si vous n'avez pas l'apport des femmes. C'est pour ça que dans son programme, le président Laurent Gbagbo a accordé une place très importante aux femmes. Très importante aux femmes. Que ce soit dans les organes de décision, ou bien que ce soit pour être bénéficiaire des programmes que nous mettons en place dans nos différentes communes. Quand vous prenez la liste que nous avons concoctée ici à Yopougon, vous voyez qu'au niveau de ce que j'appelle la municipalité, où il y a les adjoints, la moitié sont des femmes. Et ce sont les femmes qui vont être là pour veiller aux intérêts des femmes. Quand vous voyez le conseil municipal, ils ont dit d'aller à un tiers des femmes. Nous avons dépassé ce taux-là. Parce que nous voulons qu'il y ait le maximum de femmes dans notre municipalité à Yopougon. Quand les branches sont séparées, on peut les briser. Mais quand les branches sont ensemble, ça forme un bois fort qu'on ne peut pas briser. Les présidentes d'associations, les présidentes de quartier, vous qui allez réveiller vos maris le 2 septembre pour qu'ils aillent voter, vous qui allez réveiller vos enfants le 2 septembre, qui allez voter, vous qui allez dire à vos filles, à vos voisines d'aller voter, je vous salue. Notre avenir est dans votre main. L'avenir de Yopougon est dans votre main. Invitée de marque à cette cérémonie, la vice-présidente en charge de la mobilisation des femmes, Marie-Odette Lourognon, a confié le candidat Michel Gbagbo à celle-ci. Chers amis, c'est important qu'on se connaisse dans une république, comme la Côte d'Ivoire. C'est important. Michel Gbagbo s'est construit lui-même, quand bien même que son père soit professeur d'université, il s'est construit. Il n'a pas compté sur quelqu'un. Lui-même, il est professeur d'université. Il s'est construit. Un enfant doit se construire. Il ne doit pas s'appuyer sur ce qu'a été hier. Celui dont il se réclame. Nous tous là, on s'est fabriqué ici. Donc nous, on aime ceux qui se fabriquent eux-mêmes. Et Michel est une copie. Est une copie. Vous devez le suivre. Sinon, je ne fais pas sous la pluie ici. Je suis venu accompagner
c'est notre fils, c'est notre camarade. Il mérite d'être accompagné. Il mérite d'être soutenu. Il mérite de lui donner la victoire. Il mérite de l'accompagner vers la victoire. Et c'est pour ça que nous sommes là, sous la pluie. Il faut qu'il gagne. Je vous le confie, vous les femmes. Je vous le confie, vous les femmes. Je vous confie sa victoire. À la suite de la vice-présidente, la responsable de la Ligue des femmes a lancé un appel de mobilisation. Un appel qui transparaît dans la joie d'une participante. C'est normal pour moi, en tant que responsable de la Ligue, d'organiser vraiment une manifestation d'envergure pour rassembler toutes les femmes, pour leur présenter le candidat et les sensibiliser à la campagne pour que le jour de l'élection, tout le monde se sente concerné par cette élection. Alors, je demande à la population de Yopougon de ne pas regarder ceux qui se promènent avec des sacs de riz, ceux qui se promènent avec de l'argent. Parce que cet argent, ce qu'ils donnent là, ça ne peut pas nous servir. Ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire, ce qui peut sauver Yopougon, c'est le travail. C'est vraiment le développement. Un développement qui profite aux Ivoiriens. Je demande donc à toutes les femmes de faire un bloc autour de notre candidat, Michel Gbagbo, qui est le meilleur candidat actuellement pour Yopougon. On est venu, on a bravé cette pluie-là et on est venu au meeting. Moi, je pense que le meeting s'est bien passé. Et je crois bien qu'au soir du 2 septembre, Michel sera maire de Yopougon. Présent à cette cérémonie, le premier secrétaire général adjoint Justin Kouah s'est saisi de l'occasion pour galvaniser les braves mamans. À quelques semaines de l'élection municipale et régionale couplée, toutes les structures locales se préparent activement pour la victoire du candidat PPACI à Yopougon. Et ce massif déplacement des braves mamans, malgré les intempéries, est un réel motif d'approbation du choix du parti du président Laurent Gbagbo à ses prochaines élections.